personnel du secteur aussi public que privé de l'organisation des marchés. Article 6. Toute activité de marché pirate est interdite. Pour les marchés organisés, celles sont admises. Les vendeurs détenant un ticket d'étalage délivré par l'autorité compétente dans le respect de la capacité d'accueil de table disponible. Chaque vendeur doit disposer d'un liquide désinfectant pour son étalage à son usage personnel et celui de ses clients. L'autorité compétente, gestionnaire de marché, doit disposer des multiples points de lavage de mains et de désinfection au point d'accès de la restauration. Article 7. Tout rassemblement au lieu de consommation est interdit. Sans préjudice des mesures d'hygiène et des préventions établies dans le présent arrêté, seule la vente au guichet est tolérée dans les restaurants, cafés, pâtisseries, boulangeries et bars pour la consommation en dehors de ces lieux. Les grandes surfaces, supermarchés et supérettes sont autorisées à vendre dans le respect strict de mesures d'hygiène et des préventions, à savoir le lavage de mains et l'observation de la distance sociale d'un mètre entre les clients. Chapitre 4. Des sanctions et dispositifs de contrôle. Article 8. Des sanctions. Tout contrevenant aux instructions ci-dessus est puni d'une amende transactionnelle à payer contre quittance en francs congolais constant. 2. Personne physique, 20 000 francs congolais à 200 000 francs congolais. Bar, 150 000 francs congolais à 1 million de francs congolais. Night club, 200 000 francs congolais à 20 millions de francs congolais. Salle des fêtes, 500 000 francs congolais à 5 millions de francs congolais. Supermarché, 500 000 francs congolais à 10 millions de francs congolais. Magasin, 500 000 francs congolais à 10 millions de francs congolais. Funérarium, 500 000 francs congolais à 5 millions de francs congolais. Confession religieuse, 150 000 francs congolais à 10 millions de francs congolais. Transport en commun, bus, 100 000 francs congolais à 500 000 francs congolais. Taxi-bus, 80 000 francs congolais à 250 000 francs congolais. Taxi, 60 000 francs congolais à 200 000 francs congolais. Tricycle et moto, 15 000 francs congolais à 75 000 francs congolais. Canot rapide, 125 000 francs congolais à 10 millions de francs congolais. Le dispositif de contrôle. Article 9. La police nationale congolaise ainsi que l'ensemble de la communauté de sécurité doivent faire respecter les mesures prises dans le présent arrêté avec fermeté. Dans la discipline, l'ordre et le respect de la dignité de la personne humaine. En cas de dérapage, des sanctions exemplaires seront prises particulièrement en cette période exceptionnelle. Article 10. Les commissaires généraux de la police congolaise, l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, le directeur général des migrations, le secrétaire général de l'Intérieur, ainsi que les autorités des entités territoriales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 25 mars 2020. Gilbert Kankonde, Malamba.